Bonjour, nous sommes avec Pierre Caïnec. Bonjour Pierre. Bonjour Jonathan. Donc tu es CTO chez Zenica, donc tout à fait. Et vous allez intervenir notamment lors de l'Open World Forum dans le cadre de Code. Tout à fait. Et notamment. Oui. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement peut-être ce qu'est Code et ce que vous allez faire vous dans Code? Ok, parfait. Donc Code, c'est la track de façon générale orientée développeur, donc orientée vraiment Code. Talk technique avec voilà, vraiment un focus très technique, moins de théorie là-dedans. Donc c'est-à-dire très technique, l'objectif de la journée, ça sera vraiment, on arrive le matin, on est dans un état d'une release et le soir on a fait de la contrib comme ça, ou alors c'est technique plutôt orientée, nouveaux usages, nouvelles pratiques, trucs et astuces Alors, donc, il y a effectivement un peu des deux. En fait, le track est assez orienté donc, sur des sortes de community leaders, des leaders de communauté ou des leaders de produits open source qui viennent un petit peu parler de leurs produits, de leurs nouveaux usages. Les talks sont effectivement assez pointus, avec chacun forcément un certain nombre de variances, soit qui vont aller vraiment dans un niveau assez précis dans le code ou dans l'usage du logiciel, pour ceux notamment qui sont établis et qui vont montrer, on va dire, de nouvelles features. Et puis des talks un peu plus génériques aussi sur, de façon générale, par exemple le PaaS ou un certain nombre d'autres sujets qui intéressent de façon globale, avec la vision en fait de quelqu'un qui est ultra crédible sur le sujet, sa vision donc spécifique de son domaine d'activité précis. Très bien, donc vous, le sujet que vous allez porter, c'est notamment Java? Oui, tout à fait, donc c'est effectivement notre sujet de prédilection. Donc on est très content d'être act leader, de pouvoir apporter un peu d'eau au moulin à un super événement comme l'Open World Forum. Donc le track en fait va être assez focus sur du management de données avec un petit aspect big data, notamment des bases de données de graphes avec Neo4j. On va avoir probablement du stream processing sur des types de produits type Apache S4, ainsi de suite. On va avoir réellement du PaaS aussi, donc du PaaS Java, hein, assez orienté Java. Alors, on a fait quand même attention à ce que les talks soient notamment sur des aspects aussi outils. Donc par exemple, je vais citer Elasticsearch, qui sont utilisés dans énormément de cadres technologiques divers. Donc des boîtes par exemple qui font du Python ou du Ruby, qui vont aussi utiliser Elasticsearch en tant qu'élément d'infrastructure et qui sont finalement intégrées au track Java parce qu'elles sont écrites et tournent sur la JVM. Mais les talks, on l'espère en tout cas, sont assez larges pour pouvoir inclure tout type de techno et être assez agnostique finalement à la plateforme. Donc tu peux peut-être rapidement nous dire la date de ton track en particulier et... Tout à fait. Donc normalement, il s'agit donc du vendredi. Donc c'est le vendredi 12 ou 13 12. Petit problème de calendrier interne. Le 12, et normalement il commencera au début de l'après-midi. Sauf si effectivement on a quelques tracks qui sont un peu plus big data, qui seront peut-être probablement aussi sur la matinée du vendredi. Très bien. Ben, merci beaucoup Pierre et à bientôt. Merci Jonathan, à bientôt.